Donc, la famille, je suis là ce soir pour vous dire. Mon débat a été toujours pour qu'on puisse se donner la main pour travailler notre pays ensemble. Et Dieu a écouté nos prières. Il a vu vraiment ce qu'on est, on est en train de vivre. Ce n'est pas quelque chose de bien. Et il est venu à notre aide. Donc, il ne faut pas qu'on se donne tout ce qu'on est en train de faire là. C'est pour faire comprendre à nos frères, à nos soeurs, à nos mamans, à nos papas qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses. On est ensemble. C'est ça que je dis toujours, qu'on est ensemble. La Guinée est une famille. La Guinée est une famille. Donc, on ne peut pas se laisser seule l'attente qui peut nous aider beaucoup de travailler notre beau pays que on a. Donc, s'il vous plaît, nos frères et nos sœurs qui sont dans nos cœurs, calmez-vous. Tout ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, ce n'est que des... Excusez-moi, j'ai oublié de partager. Je viens, la famille, je viens. C'est pas mal. Tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, tu sais, la Guinée, c'est pour nous tous. Il y a des gens qui sont parmi nous qui n'arrivent pas à comprendre réellement. Et ils pensent qu'on ne les aime pas ou bien c'est quoi. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. D'autres sont là-bas aussi. Ils vont, même si on fait comment, ça ne va pas les satisfaire. Et la Guinée, c'est quelque chose que nous tous, c'est quelque chose qu'on a. Il faut que chacun de nous arrive à gagner un peu dedans. Il faut que chacun de nous arrive à gagner un peu dedans la famille. Donc, toi, tu ne peux pas dire seulement que tu vas prendre tout, tu vas gérer tout et les autres sont là. Il y a la difficulté, c'est tout le monde. Il faut qu'on travaille ensemble. La haine là, gourmandisme là, c'est quelque chose que nous tous, on va laisser ça ici un jour pour partir. Quand tu arrives à réfléchir à ce côté, tu dois baisser le cœur et amuser avec ton ami et continuer la vie ensemble parce que chacun de nous va partir un jour. Chacun de nous va partir un jour, la famille. Donc, je donne le message là à nos frères qui n'arrivent pas à comprendre. Comprenez ça. La Guinée, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Dieu envoie aussi des gens pour qu'on puisse voir, étudier certaines leçons pour ne pas que... pour qu'on puisse corriger les choses comme ça pour ne pas que les nouvelles générations qui vont venir demain vont marcher sur le même chemin. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Regardez notre beau pays avec tout ce qu'on a. Avec tout ce qu'on a.
Au lieu de se, de, on doit se donner la main pour chercher la solution ensemble. Comment construire le pays là? C'est ça qui doit être notre problème. Mais si on s'arrête pour se discuter entre nous, à quelle année on va finir par la blague? À quelle année on va finir par la blague? Au lieu de nous arrêter en train de parler de n'importe quoi entre nous, on a un travail qui est très, 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 très... On a beaucoup de travail. Parce que quand tu regardes la Guinée et tu regardes les autres, c'est là-bas où tu vas voir que... C'est pas là qu'on est en train de faire là. C'est pas là inutile. On doit faire face au travail. Donc, donnez-nous la main pour que nous tous, on puisse travailler le pays là ensemble. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Je prends l'exemple, quand on sort chez nous là-bas, quand tu viens à l'aventure, qu'est-ce qu'il y a dans ton idée? C'est pour travailler, aller arranger ce que tu as laissé derrière toi. Aller faire quelque chose de bon pour ta famille. C'est les idées comme ça là qu'on doit mettre dans notre tête pour utiliser ça chez nous. Pour dire que ici là, c'est là-bas que je viens. Quel qu'en soit, on doit prendre soin de la Guinée. On ne doit pas mettre la Guinée dans l'eau. Tout ce qui peut avancer le pays là, on doit faire ça. Il ne faut pas faire quelque chose qui doit laisser le pays là derrière. Qui doit laisser le pays là derrière. Parce que des fois, tu vois certaines personnes, quand ils sortent, même dans l'aventure, si l'aventure est bien pour eux, d'autres partent faire des choses incroyables chez eux. Parce que l'aventure, ce n'est pas aussi de sortir et puis se promener. De fait, tu dois rentrer avec des choses importantes dans la tête. Même si tu ne sors pas, aujourd'hui à l'Internet, on voit tout. On voit c'est les autres, comment ça est. Au lieu de nous arrêter en train de parler des choses qui ne vont rien nous apporter. Suivons le bon chemin. Donnez-nous la main. Personne ne va venir faire le travail là, si ce n'est pas nous les Guinéens. Si ce n'est pas nous les Guinéens, il faut qu'on se donne la main. C'est la seule chose qui peut nous aider la famille. Il n'y a rien dans palabre, il n'y a rien dans la haine. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne donne absolument rien. Ça perd le temps complètement. Et tu vas sortir dedans zéro comme ça. Vous-même, vous avez vu la difficulté qui était même à l'entourage de la Guinée. Commencer à Conakry jusqu'à Lola. Et les gens qui vivent dans les petits villages, leur situation, on a tout vu. On a vu des vidéos qui faisaient pleurer. On a des personnes chez nous qui vivent difficilement. Difficilement. Le gouvernement doit venir en aide. Mais si le gouvernement qui est là, qui ne fait pas un bon travail, qui est là à nous mélanger, comment les autres vont sortir dans leur souffrance là? Il faut qu'on réfléchisse beaucoup la famille. Qu'on arrive à se donner la main et développer la Guinée ensemble. C'est tout ce qui peut nous aider. C'est tout ce qui peut nous aider. Oublions tout. Bientôt, on va rentrer dans
2012 et 2022 qui est pas bon. 2022, il y a des autres pays qui ont déjà planifié, qui ont des projets qu'ils vont faire dans 2022, chez eux. Si nous, on va rester sur ça là encore, jusqu'à 2022, va venir nous trouver dans ça. Quelle année on va prendre soin de ce nous? Donc, tout ce qui s'est passé, oublions tout dans l'année là. Nouvelle année qui va commencer là. On va commencer ça dans la paix, dans la joie. C'est-à-dire le joie. Joie que la chose. La joie que Dieu a envoyée sur nous là. On va continuer sur ça jusqu'à. On va avancer dans ça ensemble. Il ne faut pas qu'on arrive à créer des choses qui ne nous apportent pas, qui vont nous rester encore derrière. Donc nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas qui n'arrivent pas à comprendre. La Guinée, c'est pour nous tous. On doit bénéficier ensemble. On doit travailler ensemble. On doit se partager des bonnes idées. Comment travailler le pays là ensemble? C'est tout ce que le pays là a besoin. Donc les gens qui sont là, qui n'arrivent pas à comprendre là, je veux que vous calmez. Il n'y a rien dans ça là. Tout le monde, quand il pense même à la mort là, tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Il ne faut pas que tu arrives à faire monter ton cœur sur quelque chose. Sur quelque chose que, c'est-à-dire qui n'est pas, qui ne va pas t'aider dans ta vie, ni rien. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous la main. C'est l'union qui fait la force. C'est l'union qui fait la force. Et supportons Colonel Doumbouya pour qu'il arrive à faire les choses comme ça se doit. Tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui là, c'est pour dire que le mal dans la vie là, il faut pas faire le mal à ton prochain. Il faut prendre des bonnes idées envers ton ami. C'est très important. Donc les gens qui sont là aujourd'hui à avoir la honte là, moi je dis qu'ils ont cessé. Parce que si ils se comportaient bien au moment où ils étaient au pouvoir, c'est nous, les populations, qui allaient faire leur palabre. Mais tout ça a été devant nous ici. On a vu ça. Donc, je pense bien que c'est un grand leçon pour nous. C'est un grand leçon pour nous. Dans la vie, là, il faut te comporter bien. On a vu nos mamans qui pleuraient. Parce qu'on a fait tomber leur maison à Kipe, à Soge, en ville là-bas. Ça faisait mal au cœur comme ça. Si on veut rentrer dans les histoires là aujourd'hui, palabre là ne va pas finir. Donc la seule solution qui est là à régler leurs problèmes, ils ont cessé. Et ils vont gagner encore. Les résultats, nous, la population, donnez-nous la main pour qu'on puisse avancer ensemble. Pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est tout ce que je peux vous dire. Si tu te comportes mal dedans, tu auras la résultat. C'est ça, parce que là où on est arrivé maintenant, là, ça ne serait plus maintenant comme avant. Ça ne serait plus maintenant comme avant. Les choses vont se mettre sur le point. Donc, si tu viens, tu ne te comportes pas bien. Ce qu'on est en train de montrer, de mettre sur les autres là, c'est ça qu'on va mettre sur toi. Donc, c'est le vrai exemple qui est là maintenant. Là. Il est temps pour nous de se donner la main,
de travailler ensemble. C'est le petit message là que je voulais vous partager. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les enfants de la Guinée. Toutes les personnes qui ont mis notre pays là en retard aussi. Que Dieu vous change pour que on puisse travailler ensemble. C'est ça la vérité. Dans la vie là, chacun fait des erreurs. Mais si tu sais que tu as pris une route que tu as pris une route qui n'est pas bonne, il faut prendre la bonne voie. C'est tout ce que je peux vous dire. S'insulter là, raciste là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous-même, regardez la Guinée. Quittez à Conakry jusqu'à Zirekouri, jusqu'à chose, comment dirais-je, Sigiri. Regardez les routes, comment ça est. On doit se donner la main, trouver la solution ensemble. On a des intellectuels parmi nous. On a les gens qui ont étudié des choses. Hein? Au lieu de se mettre à parler beaucoup comme ça, là, ou bien à faire palabre comme ça, là, c'est que vous avez étudié pendant combien d'années? Au lieu de prendre ça, utiliser, travailler, faire un bon travail chez nous, c'est pas là qu'on va venir s'asseoir pour faire ici, là, ou bien supporter quelqu'un qui n'a pas fait un bon travail. Tu es là à parler sur lui seulement jusqu'à matin, midi, soir. Donc, oublions ça, la famille.